Bonjour les amis, donc c'est Denis de la chaîne La Passion du Modélisme. Donc je suis content de vous retrouver. Dans cette vidéo, je vous avais dit que j'étais allé donc faire une petite visite à l'exposition de Wii. Donc c'est l'exposition du AME Model Club. Donc je suis allé également avec mon club IPMS Charleroi. Et voilà, j'ai décidé de vous en faire profiter également. L'expo, c'est quand même une expo plus petite que celle de Mons, hein, donc il n'y a rien à voir. Donc ça se passe vraiment ça se passe dans une école. Mais bon, voilà, je trouvais intéressant de vous en faire profiter, surtout que apparemment vous avez aimé la vidéo de l'expo de Mons. C'est pour cela que j'ai pris l'initiative de filmer et de vous faire profiter de cette exposition. Enfin voilà, vous allez voir directement l'expo de Wii. Enfin voilà, bon visionnage et on se retrouve tout de suite après la vidéo. C'est un avion des années, fin des années 30. Fin des années 30, on voit tout à fait le look du truc. Fin des années 30. Ah, c'est en effet, je vous bien sûr. Des années 30. Des années 30, oui. Qui ne pas un peu à l'air web, des trucs comme ça, c'est ça? Non, pas du tout. C'est pas même civil. C'est pas du tout civil. C'est une spécification un peu bizarre de l'ARF. Tout au début des années 30, on demandait un avion avec la main de cellule faire un bombardier et un avion parce qu'il a le look, enfin, look typique dans les pêches civiles. Et alors, en fait, la version bombardier, c'est le Bravo. Ah oui, oui. Il y a une tourelle ici. Ah oui. En plus. D'accord. Mais ça, il était déjà obsolète en 40. Ah oui, non, mais si, il y en a qui ont encore celle-ci, un peu, en Argentine, des choses comme ça. Ah oui, c'est ça. Mais en 40, il y en a encore. Et les Bravo, il y en a le Bravo, c'est la version de chasse. Dan volg ik hier, hè? We moeten kant om daar. Ja. Pas op, hè? Want ik leer haar ook niet de wie, hoor. Een barretje kant door voor onze grond. Dat geeft maar niks, hè? Je kent maar. Ja. Dat pak ik keer en al, hè? Hé, weet je dat ik met een euro al wat heb? Want dat kost al. Nee, maar als je naar groen oppast, dan gaat ik een chocolade, maar ik kan ze ook daarvan. Ja, hè? Oh! Ja, mijn vrouw zei ze, dat was al lang geleden. We zijn hier in de stem en ze had een keer van op thuis van de Leon. Ja. Oh, sorry. Goeie, hè? Ja, maar dan moet ik maar verschuiven. Dat is wel. Je gaat dat plastic zakje net zo over de kop pakken? En ik begin hier met de vuil. Ik zal blokken of dat. Ja. Maar die doe je mooi voor je. Zie dat ze weg is. C'est pas grave. Moi, quand j'ai dit oui, j'ai dit non. Je l'ai fait ce matin, maintenant, j'ai mis le rejet. C'est les mêmes qu'avant, ça.
Tu l'aimes dans l'autre sens. C'est ce que je disais. Je vais demander. Mais ça peut-être pas la même. Ah, tu veux venir près de nous? Oui, c'est juste au deux blancs. Prends une bière jaune avec un peu de mousse au dessus. Est-ce que tu sais enlever les quatre? Nos radiations, c'est où ça? Nos radiations. J'ai récupéré un truc que j'ai monté il y a deux ans. Ouais. Ça te parle ça? Ouais. Résultat de la même façon. Ils ne sont plus là, on ne sort plus les récupérer. Hein? Donc, ça, on va remettre ça dans la tête de... Ouf!
moi je dis, elle est comme ça avec moi depuis. Ça a été donc, le stade jouet que j'ai pu dans la tout ça. Mais le problème, c'est que pris le plaisir, pour moi, mon ami, elle a été gênée d'avoir pris le plaisir à quelqu'un d'autre que son. Moi, je ne sais pas comment ça se passe. Mais en attendant, bon, depuis ce moment-là, c'est là qu'elle m'en fait. Voilà, mais dit que je vais attendre 2 ou 3 ans aussi fin d'elle, pas de problème, mais quand même, ça ne va pas être pour moi. Pourquoi ? Il n'y en a qu'à prendre quelques autres, mais qu'elle me rappellera dans un an, mais il va te faire un autre emploi. Oui, c'est pas faux. Le premier, c'est que tout est pour lui qu'elle veut. Bon ben voilà les amis, donc me revoilà. J'espère que ce reportage sur l'expo de Wii vous aura plu. Et la prochaine expo que vous verrez en vidéo, donc c'est l'expo d'Affligame. Donc l'expo d'Affligame, donc c'est une grosse expo. C'est l'expo de la convention IPMS, donc pour mon club c'est la plus importante. Donc il y a quand même 6000 mètres carrés d'exposition. Donc c'est une vidéo qui va quand même durer un petit temps, vu qu'il y a 6000 mètres carrés à visiter. J'essaierai quand même de vous faire de vous montrer également les vendeurs. Donc si la prochaine vidéo d'exposition fait plus d'une demi-heure, ben c'est normal. Enfin voilà. Enfin voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc si elle vous a plu, donc n'hésitez pas à faire un petit pouce bleu. Et n'hésitez pas, donc si vous voyez cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir. Et enfin voilà. Donc je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et on se revoit très vite donc pour le montage soit du Fletcher, soit du Vosper. Donc je ne sais pas encore qu'est-ce qui arrivera en premier. Mais je pense que ça arrivera quand même relativement vite. Enfin voilà. À très bientôt les amis. Tchuss.